Ok, bon, on est bientôt à la fin de notre séance. Donc, voilà. Donc, nous arrivons ici. Voilà. Vos questions en direct. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est le moment ou jamais. Enfin, ou jamais, non, pas ou jamais quand même. Il y aura d'autres occasions où vous pourrez poser des questions, mais voilà, c'est le moment. Donc, je vais regarder la fenêtre de conversation, voir s'il y a eu des questions déjà. Donc, oui, apparemment, il y a... Alors, attendez, je reprends le déroulé, des fois que j'ai loupé quelque chose. Voilà, donc, Philippe Olivier dit « Excellent cet exercice ». Donc, je suppose qu'il parlait de... Tu parles du téléphone arabe, peut-être. Question avant de partir. Qui est sur Facebook débutant ? C'est-à-dire... J'ai pas compris la question. Alors, si tu peux... ce que je vais faire... là. Oui, on t'entend. Oui, oui. Ben, en fait, je vois beaucoup de monde ce soir et je me posais la question si les gens étaient sur les groupes Facebook pour qu'on puisse échanger entre nous. Voilà, c'est tout. Et sur quel groupe ? Parce qu'il y a plusieurs groupes, il y a des pages, il y a un peu de tout, quoi. OK. Alors, effectivement, il y a effectivement une page où je publie... les quelques infos de l'école et puis ce qu'on peut faire pour débuter l'harmonica. Mais la page, c'est plus du prof vers des gens qui connaissent pas forcément l'école et qui seraient intéressés par prendre des cours ou découvrir l'harmonica. Les groupes, c'est plus entre nous. Donc, il y a un groupe, effectivement, qui s'appelle Envie de prendre un bon départ à l'harmonica, qui est assez ouvert, c'est-à-dire que c'est pas que pour les curieux, mais c'est vraiment pour les gens qui veulent vraiment se mettre à l'harmonica et qui veulent commencer à savoir comment ça fonctionne. C'est ce qu'a fait Philippe Olivier. Et en fait, d'ailleurs, le groupe a été créé au moment où il est arrivé, puisqu'il m'a contacté sur Facebook et puis tu as commencé à discuter avec moi. Je me suis dit, tiens, comme tu avais des questions très pertinentes, je me suis dit, pourquoi pas créer un espace où tout le monde pourrait retrouver ses questions et déjà avoir réponse à ses questions. Donc, on a créé le groupe à ce moment-là. Donc, il est très, très récent. Il y a que à part moi, il n'y a que deux personnes pour l'instant. Mais la destination, effectivement, c'est de permettre à ceux qui connaissent pas encore l'harmonica, qui connaissent pas encore les cours, qui veulent s'y mettre, de pouvoir trouver réponse à ces questions. Donc pour le moment, vous n'êtes que deux. Et par contre, l'autre groupe est vraiment, c'est un groupe fermé qui est vraiment réservé aux élèves de l'école. Et alors, qui est déjà sur le groupe ? Est-ce que oui, Alain, je crois que tu es déjà sur le groupe. Ouais. Jean-José aussi. Et les autres n'y sont pas. Si Carmen y est également. Carmen est sur le groupe Facebook également. Et les autres n'y sont pas encore parce qu'ils sont très tout nouveaux. Donc, il y a d'autres... Alors, Guy, essaye de nous parler. Alors, on va activer son micro, ça sera plus facile. Pour... Oui ? Non, ben moi, je vais m'y mettre. Moi, j'y suis déjà allé. Bon, j'ai vu des gens que je ne connaissais pas, bon, bien sûr, mais bon, ben, je vais m'y mettre. Hein. D'accord, super. Pas de problème. Très bien. Alors, comment s'appelle ce groupe, demande Patrice. Alors, bah, écoutez, ce qu'on va faire, une image valant mille mots, on va faire une... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter tout d'abord sur mon Facebook, comme ça, on fait une petite démonstration. J'en ai fait une dans une vidéo précédente, je mettrai le lien sous la vidéo, mais comme vous posez la question, on va refaire une petite démonstration rapide. Comme ça, vous allez vite voir ce que c'est. Voilà. Je vous demande simplement quelques secondes le temps de récupérer mon mot de passe Facebook. Voilà. J'ai tellement de mots de passe, tellement de sites que je ne connais pas tout par cœur. Et je vous montre ça en direct live. Voilà, voilà. Alors, je partage l'écran. Donc, OK. Donc, voilà, le groupe est ici. Schluck. Donc, alors attendez, ça c'est groupe en attente. Les favoris, c'est pas ça. Les groupes que j'administre. Alors, si vous voyez des mots bizarres sur mon Facebook, ne vous étonnez pas, c'est parce que le mien est en espéranto. Groupe IKIO, une vie administras. OK, le groupe de l'École internationale d'harmonica. Donc, ça c'est le. Alors, vous avez les deux groupes. Celui-ci qui s'appelle Envie de prendre un bon départ à l'harmonica, avec cette image. Cette image, c'est un souvenir de scène. Alors, je vous présente les différents. Donc, en fait, c'est,
ces deux personnages ici, ce sont c'était des élèves. Voilà. Et moi, j'étais aussi élève à l'époque. Je suis en train de faire le guignol, comme d'habitude. Voilà. Donc, j'étais moustachu à l'époque, j'avais pas de barbe. Voilà, donc j'étais en train de faire le singe sur scène. Vous reconnaissez peut-être Greg Zlapp, qui a beaucoup joué avec John Hallyday, qui était notre professeur. Et je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais ce musicien, c'est Thomas Minto, le fils de Jean-Jacques Minto, qui joue excellemment de la batterie. Voilà, donc c'est un bon souvenir de scène. Et comme je lève le bras, je me dis, tiens, ben voilà, c'était pour faire venir une musicienne sur scène qui n'était pas tout à fait sûre de pouvoir jouer son morceau devant les autres, qui avait un peu le trac, et on l'a accueilli sur scène. Donc on lui disait, allez, vas-y, bienvenue sur scène. Donc j'ai pris cette image pour vous dire bienvenue si vous voulez prendre un bon départ à l'harmonica. Pour le moment, on n'est que trois. Voilà, donc je vous mettrai les liens encore hein, sous la vidéo. Éventuellement, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est me contacter pour que ce soit plus facile. Vous pouvez me contacter directement. Hein, donc, mon Facebook, c'est tout simple. Alors, attendez. Donc, voilà. Vous me trouvez facilement. Voilà. Moi, c'est Bertrand Armaud Chopin Carbono. Armaud Chopin, c'est mon pseudo. Comme la chaîne YouTube Armaud Chopin. Voilà. Vous me contactez, vous m'envoyez un message et je vous inscrirai directement sur le groupe. Ou alors, si vous voulez que je vous inscrive directement, bah, il suffit de me dire par email, oui, je vais être inscrit à ce groupe-là ou de groupe. Et comme ça, bah, je vous inscrirai directement, puisque une fois que j'ai votre adresse email, je peux vous inscrire directement. Et donc, l'autre groupe, où il y a un peu plus d'élèves, c'est le groupe de l'École internationale d'harmonica. Voilà. Et donc, vous êtes déjà 24. Voilà, il y a déjà 24 membres. Donc, qui avons-nous ? Nous avons, donc, nous avons Carmen, Frédéric, Franck qui malheureusement est hospitalisé en ce moment, on pense à lui, mais souvent il est, enfin, quand il est en bonne santé, quand il va bien, il suit les agora. D'ailleurs, il nous suit de sa chambre d'hôpital, mais on pense très fort à lui. Bernard, donc Jean-Jacques, Armochop, c'est Jean-Jacques, Daniel, Alain qui est avec nous ce soir, Jamel qui est un ancien élève, Jean-José qui est avec nous ce soir, Dorothée qui est encore élève de l'école, Jordan, Sophie, Sabine, Jean-Marc, René, Gérard, Donadieu, Frédéric, Jean-Paul, Marilyn, Joël et Philippe-Olivier qui est avec nous ce soir. Donc, si vous voulez faire partie du groupe, vous me le dites, vous m'envoyez un petit mail en me disant « je veux en faire partie » et je vous inscrirai. Donc, soit le groupe de l'École internationale d'harmonica où là, le but, c'est que vraiment vous échangiez entre vous, entre élèves, mais vous voyez, c'est un groupe fermé, hein, c'est écrit ici. Donc, c'est-à-dire que c'est ce que vous publiez, c'est pas vu par le public. Fermita Gruppo, c'est un groupe fermé. Donc, pour vous, évidemment, vous verrez tout ça en français. Et voilà. Donc, c'est vraiment pour les élèves de l'école. Et puis, vous avez l'autre groupe qui est un groupe ouvert où, cette fois-ci, c'est réservé aussi bien aux curieux ou aux personnes qui veulent découvrir l'école d'harmonica. Et ça peut être bien, effectivement, de faire partie des deux, si vous voulez. Bah, tout simplement pour témoigner. Si quelqu'un a envie de prendre des cours en disant mais comment ça se passe, comment ça se passe avec Bertrand, comment est-ce qu'on prend des cours, moi j'habite pas à côté, j'habite pas à Paris, comment ça se passe, souvent on me pose des questions comme ça, bah écoutez, vous êtes bien gentil monsieur, mais moi j'habite à 600 km, oui bah c'est pas grave, mais voilà, tout le monde ne sait pas exactement comment ça se passe, donc l'idée c'est de poser des questions, soit je réponds, mais les autres aussi peuvent répondre, et vous pouvez aussi témoigner d'où vous êtes parti dans l'école, ce que vous avez réussi à faire, ce que vous aimez dans l'école, etc. Donc ça peut être bien d'accueillir les nouveaux, quoi. Ok. Et c'est pas la peine on dit souvent les réseaux sociaux, on y passe beaucoup de temps. Bah, c'est pas la peine d'y passer 2 heures, mais un petit message de temps en temps, ça fait toujours plaisir et ça permet de rassurer ceux qui arrivent. Et puis ça permet aussi d'échanger entre vous. Ok. Ok. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, bon. Alors, quelle heure est-il? Ah, ben il est 22h41 déjà, on va s'arrêter là. Hein. On avait dit que. Et celui que j'ai montré en second, dit Patrice. Oui, celui que j'ai montré en second, c'est ça, c'est le groupe de l'École internationale d'harmonica. Donc, c'est celui qui permet d'échanger entre les élèves et qui est un groupe fermé. Donc, si vous écrivez des choses sur le groupe,
Voilà, ben, je vois que Jean-José vient de faire une demande. Alors, celui qui est avant, c'est le... Alors, je vais vous remontrer ça si vous n'avez pas bien vu. Celui qui est avant, c'est celui qui s'appelle « Envie de prendre un bon départ à l'harmonica ». Je peux vous remettre le lien, si vous voulez, dans le groupe de conversation, dans la fenêtre de conversation. Ça, c'est ce qui permet de poser des questions quand on n'est pas encore élève. Et voilà. Et quand on veut avoir des infos, et ce serait pas mal, effectivement, que les élèves ou les anciens élèves puissent également faire partie de ce groupe pour pouvoir donner leur témoignage et que vous puissiez échanger, commencer à faire connaissance et puis échanger entre vous, évidemment. Ok, Philippe Olivier nous dit « Bonne soirée à tous, j'ai passé un bon moment, même si je suis resté en arrière-plan. » Bah oui, c'est normal, il n'a pas encore commencé les cours. « Bonne fête à tous, bonne fête à toi, bise. » Bon, très bien, je te salue bien. Merci de ta participation. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Voilà. Donc, si vous voulez faire partie de ces groupes, un petit email, et soit vous êtes déjà sur Facebook et vous faites la demande, soit vous m'envoyez un email. Pareil, hein, je m'adresse aussi à ceux qui regardent la rediffusion de cette vidéo. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire ou m'envoyer un email pour faire partie de ces groupes. Plus il y aura de monde dedans, bah, plus ce sera sympa, plus on va pouvoir échanger. Et ça fait aussi partie des choses qui nous permettent de progresser, c'est d'ailleurs d'échanger, quoi, parce qu'il n'y a rien de pire que de rester tout seul dans son coin et se dire, bon, il faut que j'essaie de progresser. Et c'est en fait avec la rencontre des autres qu'on progresse. Moi, j'ai beaucoup progressé. Là où j'ai progressé le plus, finalement, c'est dans les stages. Et quand un élève vient prendre un stage ici, en deux jours, il gagne 6 mois de formation, quoi. Ça va très vite parce que on se voit pendant 12 heures sur deux jours. Il y a l'échange avec les autres, il y a la dynamique de groupe qui fait qu'on progresse ensemble. En plus, on est tous du même niveau, donc c'est encore plus facile de progresser. Et puis, en fait, les agora et les ateliers mensuels, ça reprend un peu cette idée de stage. Bon, pas aussi longuement et pas tout à fait de la même façon, mais ça permet effectivement d'échanger. Donc, le groupe Facebook, ça va encore plus loin que les agora. Les agora, il y a le prof qui s'exprime et puis vous participez avec moi. Mais là, vous pouvez, en dehors des cours, même si je ne suis pas là, vous pouvez vraiment échanger entre vous, comme dans une salle de cours, comme dans une école, où on se rencontre les uns les autres, on passe d'une salle à l'autre, et dit « Ah, bah tiens, voilà. » Vous pouvez même échanger des vidéos que vous avez vues par ailleurs et vous donner des avis. Vous pouvez échanger des choses qui sont culturelles, qui sont des morceaux que vous jouez ou autre chose, ou poser des questions. Enfin, tout ce qui est en rapport avec la musique, finalement, peut-être partagé sur le groupe. Alors après, moi, je modère un petit peu, évidemment, le groupe. Hein. Si quelqu'un commence à échanger sur le ping-pong ou sur la guerre de Corée, ça, évidemment, c'est des choses que j'enlève pour que ça reste vraiment centré sur l'harmonica, centré sur la musique. Mais il faut vraiment vous sentir libre et puis, évidemment, de parler de manière courtoise et cela va de soi. Ok, bonne fin de soirée Alain qui doit nous quitter. De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là. Une dernière question de Patrice. Les ateliers mensuels, c'est quel jour ? À l'origine, c'était le mardi soir, mais ça m'arrangeait pas puisque j'ai une élève en fait, donc c'était pas évident. Donc en fait, on a pris le jeudi. Donc c'est le jeudi soir et c'est 3 heures les ateliers mensuels. Donc là, c'est sur inscription, puisque c'est réservé aux élèves, donc c'est vraiment des cours que je vous donne en complément des formations, mais donc c'est sur inscription et ça permet, donc c'est en petit groupe, et là on travaille les morceaux ensemble, beaucoup de manière approfondie, on fait du solfège s'il faut, enfin je réponds à vos questions, mais je vous fais vraiment des cours en rapport avec vos formations. Ok, donc ça c'est 3 heures, une fois par mois, et c'est de 18h à 21h. Donc après, l'horaire peut éventuellement être ajusté. On avait un autre horaire avant et finalement, on vient de le changer. Et apparemment, 18h-21h, ça arrange un peu plus de monde. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est le jeudi. Okay, donc, c'est pareil, si vous avez des questions à poser sur l'atelier mensuel, n'hésitez pas à m'envoyer un email et puis on en parle ensemble. Okay. Voilà. Eh bien, écoutez, alors juste une dernière chose. Le prochain rendez-vous, juste avant de nous quitter. Voilà, l'Agora numéro 48. Donc, merci de votre participation. Vous avez beaucoup participé, ça fait très plaisir. Et de votre enthousiasme. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est le mardi 2 janvier de 20h30 à 22h30.
Donc, bon, heureusement que ça ne tombe pas le 1er janvier. Voilà, peut-être que le 2 janvier, vous serez de nouveau en pleine forme. Voilà, donc ça veut dire qu'on ne va pas se revoir avant l'année prochaine. Donc, bien évidemment, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Continuez de jouer l'harmonica. Ce qui me ferait très, très, très plaisir, c'est que vous jouiez de l'harmonica pour vos amis, pour votre famille à Noël, peut-être devant le sapin. Si vous avez l'occasion, ce sera encore, ce sera vraiment, vraiment chouette de filmer cet événement. C'est-à-dire, si vous jouez un morceau devant les autres, alors je sais que certains ne veulent pas passer à la vidéo, mais si vous avez envie de le faire, de vous filmer en train de jouer devant la famille, ce sera vraiment appréciable. J'aimerais beaucoup voir ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les morceaux de Noël si vous voulez apprendre à les jouer. Faites-vous plaisir. Passez de très bonnes fêtes. Ne mangez pas trop. ne soyez pas malade. Ne commencez pas l'année 2018 malade. Je vous souhaite bonheur, santé. Amusez-vous bien. Faites-vous plaisir. Ayez toujours votre harmonica avec vous. Et donc, bonne fête à tous. Voilà, Jean-José dit, Guy dit bonne fête à tous. Alain, bonne fin de soirée. Bon Noël. Jean-José, bonne fête à tous. Bruno, bonne nuit à tous. Et oui, bonne nuit, il est déjà tard. Michel, bon ruin bambouine à tous et à tous. Ben oui, effectivement, l'harmonica s'appelle aussi le ruin babine. Mais si vous avez une bonne embouchure, vous devriez en jouer sans vous ruiner les babines. Guy ne sera pas là le 2 janvier. Ben écoute, on te reverra avec plaisir à la prochaine séance. Et n'oublie pas évidemment de regarder la rediffusion et de nous tenir au courant de tes activités. Donc, Patrice dit merci, excellente fête à tous. Et Carmen, bonne fête à tous. Et bien voilà, encore bonne fête. Bonne fin de soirée. Donc, vous retrouvez la rediffusion de ces Agora théoriquement jeudi. Demain, j'ai beaucoup de travail et je suis aussi invité à une fête d'anniversaire. Et je vais faire du piano toute la soirée et un peu d'harmonica. Voilà, je vais animer la fête d'anniversaire. Donc, je ne vais pas avoir beaucoup de temps, mais j'en aurai un peu plus jeudi. OK, allez, bye bye. À très bientôt.